Jean Saté annonce yon komisyon organizasyon etat Ameriken ki gen la dan 6 pam antre nan peyi d'Haïti jounen 8 juin 2021. Komisyon sa gen pou renkontre ak diferent akteur ki konsene nan kriz politik kap brase bil peyi d'Haïti depi kek tan. Rete branche nan pote plus detay pou. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure koute nou, Nabzou, merci paske branche nou et so apen konekte Nabzou, bienveni. Jean annonce li yon komisyon organizasyon etat Ameriken vizite peyi d'Haïti Jounen 8 juin 2021, objectif mission ça, c'est rencontrer avec différents acteurs politiques qui concernent la crise qui a brassé le pays d'Haïti. Parmi acteurs, commission, organisation État américain, gain pour rencontrer, gain pouvoir exécutif, la classe politique, société civile et secteur privé des affaires. Dans le visite de commission, organisation État américain, le président républicain a tout fait qu'on a déjà rencontré avec émissaire organisation État américain, OEA. Discussion de Chita sur situation sécurité et sanitaire pays d'Haïti, dernier jour ça. Pendant le président République fait connaître, il réaffirmé par émissaire volonté de gagner pour organiser l'élection dans la fin année 2021. Donc, analyse nous aujourd'hui, nous parlons de l'objectif visite organisation État américain dans le pays. Nous connaissons organisation État américain, OEA, son organisation hémisphérique qui gagne là-dedans environ 39 pays et parmi 39 pays, ça Haïti. Donc, visite organisation État américain dans le pays d'Haïti, c'est pour faire un état des lieux de situation politique dans le pays. Hein, parce que nous connaissons nous, à la veille de l'organisation prochaine élection. Yo. Donc, organisation État américain a besoin de recueillir toute information importante et utile pour qu'on fasse un état des lieux de situation qui gagne dans le pays d'Haïti, je dis. Ça, c'est l'objectif principal visite commission OEA dans le pays. Hein, mais tout, c'est pour chita parler avec différents acteurs. Yo, pour être comment capable de jouer issue avec la crise politique qui a brassé le pays d'Haïti depuis environ 4 ans. Dans le cadre de rencontre, la commission organisation État américain a pu parler avec différents acteurs qui concernaient la crise et toute qualité qui a brassé le pays. Et jeudi 8 juin 2021, nous avons le président républicain qui a parlé avec l'émissaire OEA. Et si nous avons tout le président, discussion président républicain avec l'émissaire OEA et Chita sous situation sécuritaire pays, sanitaire et puis sous organisation prochaine élection. Donc nous connaissons pas seulement président républicain émissaire OEA gien pour rencontrer, gien pour rencontrer et classe politique là tout et donc pour classe politique là nous connaissons différentes structures en dans opposition politique là qui t'a déjà préparé pour chita parler avec émissaire OEA que en pile là d'ailleurs toujours dit yo pas dialoguer soit président républicain ou du moins et yo pas dans dialogue tout court mais yo te quitté en brèche quand même pour te chita parler avec OEA pour te rencontrer émissaire OEA pour capable bail cahier de charge yo pour capable bail doléances pour capable bail compréhension de crise politique et qui gagne dans pays depuis environ 4 ans sin ka quoi yo la tortue qui c'est une nan et figure de proue et classe politique là et yo t'a déjà à préparer pour aller discuter avec émissaire OEA et yon donc yon point qui nan cahier de charge et leader certains leaders politiques ou du moins classe politique là en général c'est ta question référendum nan qui t'a bien pour organiser côté selon eux-mêmes c'est une démarche qui inconstitutionnelle et que l'OEA personnellement t'a doué reconnaître que référendum nan son bagage qui inconstitutionnel et dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un point où on va toucher, question référendum, il y a un autre point où on va toucher encore, mais c'est un point central, c'est question référendum. La commission OEA, il y a pour rencontrer tous des acteurs dans la société civile, des acteurs dans le secteur privé, des affaires. La. Donc, objectif présence OEA sur le territoire haïtien. C'est comment on va mettre tout acteur au chita pour discuter, pour dialoguer, pour capable de issue avec la crise qui dure trop longtemps dans le pays et qui a un impact très négatif sur et situation de vie population et en général. Donc nous avons objectif présence OEA dans le pays et faut nous rappeler c'est pas première fois gagnons commission OEA qui entre dans le pays là nous dans genre de situation ça ou du moins là nous dans situation de grande crise politique. Nous connaissons en 2011 c'est gagné présence commission OEA dans le pays. Nous connaissons en 2004 tout est gagné présence OEA dans le pays dans les députés et faciliter et discussion entre tout acteur politique qui partent vraiment et bien, grand résultat parce que le plus souvent, la crise politique dans le pays, c'est de extrémistes sous jeunes. Et chaque monde campé dans le pays, chaque monde a défendu l'intérêt. On le fait encore. Et on est à présent sous terrain, on est à présent sous sol. Donc, pour essayer de mettre Haïtiens, chita parler. Pour essayer de faire Haïtiens, chita discuter entre eux. C'est de mauvais précédents qui viennent dans nos situations aujourd'hui parce que chaque fois Haïtien gagne de difficultés, soit gagne de crise politique dans le pays, c'est toujours blanc qui vient.
qui vous mettez en chita pour nous discuter, pour nous joindre de pistes de solutions. Mais présence commission ça a gagné de importance particulière et dans la crise qui a passé le pays. Faut nous rappeler, le pays d'Haïti n'est pas un pays qui est isolé. Et d'ailleurs, nous faisons partie de l'Amérique. Et Haïti, tout, c'est membre OEA, qui est l'organisation État américain. Donc, toute situation, ou bien toute difficulté pays, ou bien un pays qui fait partie de l'OEA, a fait face. Donc, l'OEA, il y a pour devoir pour intervenir, pour essayer, chercher et de solutions par rapport à la situation difficile pays a fait face. Et donc, Haïti, c'est, on dit aujourd'hui, c'est un pays qui a fait face avec une grave crise politique, économique, sociale, et j'en passe. Donc, présence OEA, li vini nan moment côté gagné de effort qui t'a de fait pour remédier avec situation ça. Donc son visite et qui y a pile importance non seulement pour pays hein, mais li gagné importance tout pour acteurs pour yo capable essayer et ouais présence OEA dans qui façon capable permettre aux chita pour discuter et sur ça qui a passé dans pays sous crise qui gagné dans pays surtout crise politique là et qui fait du tort avec la population depuis un certain temps. Donc là, la présence de l'OEA dans le pays a une pile importance. Et nous sommes capables, et le président de la République a déjà chita avec l'émissaire. Et dans la rencontre qui a avec eux, il y a un point de toucher, c'est la question de l'élection. Quand il réaffirme volonté ou bien engagement et pouvoir, là, engagement et gouvernement là, pour l'élection organisée dans la fin année 2021. Donc l'OEA lui-même lui renseigne le tout. Sous processus et pour organiser l'élection qui t'a doué un processus inclusif et démocratique. Donc, présence li vient raffermer position gouvernement pour organiser l'élection dans le pays. Et opposition en tout, li quelque part pral et permettre opposition et surtout les extrémistes pour capable discuter pour ouais dans quelle façon pour faciliter organisation élection parce que nous connaissons depuis une crise politique dans le pays la très difficile pour conseiller de bagaille fait pour organiser l'élection, pour gagner développement. Donc, la présence OEA pour permettre acteurs politiques au Chita de discuter entre eux pour capable joindre des pistes de solutions pour essayer et non seulement faciliter et organisation électorale, mais tout pour essayer de résoudre la crise qui gagne et dans le pays. Donc, qui résultat nous capable attendre avec une visite et OEA dans le pays. Jean Noël et le OEA présent dans le pays, le plus souvent c'est pour mettre acteurs politiques qui parlent de Chita, c'est pour mettre eux sous même table pour capable discuter. Mais est-ce que nous sommes capables d'attendre à grand chose de visite au OEA? Il y a deux monde, si on fait l'histoire pour en 2004, et le une crise entre opposition avec le gouvernement Jean-Maître Aristide Blanc, nous avons OEA qui est présent pour essayer et jouer une piste de solution à la crise qui a plongé le pays dans la période 2004. Et oui, l'opposition était capable de sous position point de fait pâle, c'est-à-dire pas de fait bac, côté où on va aller, c'est là où on va aller. Donc c'est départ président, ancien président Jean-Maître Aristide Blanc, besoin. Et après départ, la commission OEA qui était essayer de mettre tous les acteurs ensemble pour discuter, nous voyons quelques jours après, président Jean-Maître Aristide était obligé de quitter le pouvoir pour partir en exil. Donc là, nous ne pouvons pas imaginer le même scénario, mais quand même, nous connaissons et le résultat nous attendons nous de visite OEA dans le pays, c'est que pour une fois, acteurs politiques au moins APC chit ensemble pour discuter sous sac de fête dans le pays. Parce que si pas un dialogue, si pas un temps qui joue, un différent acteur qui concerne la crise politique, il y a des échéances constitutionnelles qui ne pas respectées dans le pays. Parce que vous venez tout voler une situation à cause de la crise politique, vous venez tout voler une situation à côté de la bagaille qui n'est pas réalisé, surtout élection. Parce que l'on ça et là, on pas qu'être côté dans le pays. C'est de bandits, c'est de gangs qui font la loi. Et le plus souvent, ils ont attribué action gang, ils ont de action politique. Là, on a un dialogue qui doit jouer entre tous les acteurs pour faciliter la transition démocratique. Ou du moins pour faciliter l'avènement d'un président qui est élu démocratiquement dans le pays le 7 février 2022. Donc, OEA dans le pays, tous les acteurs ont décidé de rencontrer. Dès qu'ils n'ont pas jamais décidé de parler entre Haïtiens, ils n'ont pas jamais prôné, il n'y a pas de gens pour un dialogue inter-haïtien, mais c'est blanc, c'est le blanc comme toujours, c'est le blanc qui vient, qui vous vient dans nos dictats, qui vous vient dire nous, mais ça pour nous faire, qui vous vient dire nous, nous devons chita parler, c'est dans chita parler, nous sommes capables de jouer et de issue avec problème qui a plongé nous dans la société. Donc là, au à présent, il a déjà rencontré l'exécutif, il a pour rencontrer acteurs politiques, il a pour rencontrer l'autre acteur dans la classe politique, là, et deux mouns dans la société civile là, avec le secteur privé des affaires là. Donc là,
il n'est que d'attendre pour nous voir qui résultat qui sorti dans cadre rencontre ça yo et si si présent sur à tout pour faciliter pour une élection dans pays dans l'année 2021. Donc son dossier n'a suivre parce que et commission elle est toujours là, il est là souterrain, il peut quoi aller, il y a deux monde rencontrer mais il y a deux monde tout pour rencontrer. Donc travail commission pour qu'on fini et nous même à tout moment n'a intervenu pour nous porter des éléments d'information pour vous, pour nous capable informer plus sur présence OEA dans le pays et sur qui piste de solution qui joigne par rapport avec mission gagnée et dans le pays dernier jour ça. N'a besoin merci parce que tu prends petit temps pour t'aider nous. N'a besoin à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.